Quand j'ai mis cette vidéo, parce qu'il m'a dit, est-ce que tu connais, comme tu m'as dit Eric, mais est-ce que toi tu connais le Nigoun? Il m'a dit, ok, dans l'histoire il y avait un Nigoun et grâce à ce Nigoun il a fait Tchouva. Il m'a dit, mais toi tu me la racontes, mais est-ce que toi tu connais le Nigoun? Alors, il m'a dit, bon, Hachem, oui j'ai entendu. Alors je lui ai dit, maintenant, avant, comme je vous ai fait avec vous, j'ai dit, avant que je te le chante, je veux que le Rabbi le chante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a même pas deux heures de ça. On était chez Rav Mazouz. Il n'y a même pas deux heures. Il était avec nous. On était chez Rav Mazouz. Qu'est-ce qu'il faisait quand il a entendu le Nigoun? Chez Rav Mazouz. En plein milieu de la semaine. Et c'est quelqu'un que. C'est un petit homme, il va faire sa bar mitzvah. En plein dans la soule, il pleurait. Ça l'a touché. Il pleure. Ça l'a touché. Oui. Voilà les sentiments, tu lui as fait trajet là, les sentiments. Il pleure. Jamais moi j'aurais pu penser un truc comme ça qu'un enfant de 13 ans, qu'est-ce qu'il a comme sentiment? Je dis, bon, il va écouter le Rabbi en train de faire un Nigoun, c'est fini. Bon, c'est beau, c'est magnifique, c'est entendre le Rabbi chanter, ok. Mais il a pleuré. Il pleurait dans la choule, en plein milieu, il n'y avait personne. Il y avait moi, lui et lui. On était nous trois, bon, c'est sûr qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain, ça n'y a aucun doute. Vous avez fait un espace divin. Mais il était en train de pleurer en plein dans la choule. C'est le même jour où. Hein? Si t'as deux démons, on peut te croire. Voilà. C'est le même jour où j'étais là, non? Hein? Les pleurs de joie. La joie de savoir qu'il vibre la spiritualité. C'est dur de trouver, à notre époque, de trouver des enfants jeunes comme ça, pleurer pour la Géchia, toucher pour la sainteté. C'est dur de trouver ça maintenant. Même nous, voilà, on a écouté Nigoun. Concerné par la petit temps, il n'a même pas fait sa bar mitzvah, il commence à pleurer. Moi j'ai dit jamais j'avais pensé à ça qu'il allait pleurer. Un petit temps, il n'a même pas fait sa bar mitzvah encore. Et il pleure, on a joué. Mais des pleurs, comme il a dit Eric, des pleurs de joie. Que bon, Hachem, et qu'il était content. Je lui ai dit maintenant, il faut que ces pleurs-là, ça soit des pleurs de joie. Puis bon, Hachem, tu t'es attaché au Rabbi, tu as fait le Mahamar. Tu connais le Mahamar maintenant, le Rabbi doit être heureux de savoir que tu as appris le Mahamar et que bon, Hachem, tu es prêt pour ta